Salut tout le monde! Ça y est, c'est le printemps, les oiseaux chantent, le soleil brille, les arbres fleurissent. Ah, c'est trop bien! Et pour rester dans l'ambiance, eh bien, en toute logique, j'ai choisi de vous parler d'étendues glacées, de périls mortels, et d'explorateurs qui vont là où personne n'a osé poser le pied avant eux, et d'un endroit où personne ne vous entendra crier. Oui, j'ai choisi de vous emmener dans l'espace avec Le Château des Étoiles d'Alex Alix, c'est publié chez Rue de Sèvres. Pour faire un bref résumé, l'histoire débute en 1868 en France, où on est en plein essor industriel, technologique et scientifique. On suit l'histoire de Séraphin, un jeune garçon qui passe tout son temps à rêver de conquêtes spatiales et de partir sur les traces de sa mère. Car oui, dans cette uchronie, le voyage spatial serait peut-être rendu possible par une mystérieuse énergie qu'on nomme l'éther, et qui se trouverait à environ 13 km au-dessus de nos têtes. Donc Séraphin va partir jusqu'en Bavière avec son père, rencontrer le roi Ludwig II, se faire un sacré paquet d'ennemis, et fonder un ordre de chevalerie au passage. Tout un programme. Je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment adoré cette BD. À la base, j'avais été attirée par la couverture qui me faisait penser un petit peu au niveau du design au vieux roman de Jules Verne, et j'ai pas du tout été déçue par ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Chaque planche, c'est une véritable œuvre d'art avec des dessins à l'aquarelle qui sont juste sublimes. Et on est plutôt gâtés au niveau du découpage parce qu'il est vraiment aux petits oignons. On a de grandes illustrations, des schémas, des gros plans sur les personnages. C'est hyper varié et on ne s'en lasse pas une seconde. L'intrigue n'est pas en reste d'ailleurs, et plus d'une fois j'ai été déchirée entre l'envie de rester une heure sur chaque planche pour admirer les dessins qui étaient vraiment trop beaux, ou tourner les pages le plus vite possible pour savoir ce qui allait se passer parce qu'il y avait juste trop de suspense. Et oui, ça, parce que l'histoire c'est à la fois une épopée steampunk complètement captivante, et ainsi une affaire d'espionnage pleine de rebondissements, et pour ne rien gâcher, un cours de vulgarisation scientifique sur l'histoire de l'Allemagne au 19e siècle. Mais rien que ça, on a de quoi faire. Et on croise même Wagner au détour des pages, alors c'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre un peu de musique sur cette vidéo. Comme le texte aussi est plein de jolies trouvailles, j'avais envie de vous en lire quelques passages. Par exemple. Les étoiles pourtant sont à portée de main. Tant qu'il me reste un souffle, j'irai vers elles. Un homme de sa qualité ne devrait pas ignorer la puissance des mythes. Les contes disent toujours la vérité. Mais Majesté, les fées, les dragons, tout ça, ça n'existe pas. Croyez-vous? N'avez-vous jamais eu peur du noir, craint la solitude, la douleur, le rejet, l'échec, la mort? Voyez-vous, la vérité que nous enseignent les mythes n'est pas que les dragons existent, mais qu'ils peuvent être vaincus. Au niveau des personnages, Séraphin et toute sa clique sont vraiment touchants aussi. J'ai un petit faible pour sa relation avec ses parents, que je trouve assez attachante. Alors, en plus, ça me fait plaisir de voir dans une BD plutôt jeunesse des personnages adultes assez réalistes, finalement. J'aime aussi énormément le roi romantique Ludwig II qui cherche à fuir la réalité, et Sophie, la jeune fille, qui ne veut pas être une princesse, mais par contre qui a tout d'un valeureux chevalier. En fait, c'est un petit peu compliqué parce que c'est impossible pour moi de choisir un préféré à vous présenter. Comme il est décidément difficile de trouver un défaut à cette BD, j'avais aussi envie de vous parler des thèmes qu'elle aborde. Et des questions qu'elle pose qui sont très intelligentes et des réponses qu'elle apporte qui sont pas mal non plus. Alors comme c'est le thème un peu de la BD, ça va être principalement sur la science. Peut-on tout abandonner dans sa quête du savoir? Quelle est la responsabilité des scientifiques face à l'utilisation de leurs découvertes? Faut-il partager le savoir avec tout le monde et ce sans condition? Bref, j'ai envie de forcer tous les vidéastes scientifiques de YouTube à lire cette bande dessinée. Non, mais pas parce que je les aime pas, non, justement, parce que je suis sûre qu'elle leur plairait. Bon, allez, si, en cherchant bien, je vous ai trouvé un défaut à cette BD. Il y a un putain de cliffhanger à la fin du tome 1. Si vous n'avez pas le tome 2 sous la main, je suis désolée pour vous, en fait, parce que moi, j'ai enchaîné les deux et c'était juste impossible de faire autrement. Je crois que j'aurais fait un casse à la librairie du coin si j'avais dû attendre ne serait-ce que quelques heures pour pouvoir me procurer la suite. Bon, il y a aussi un sacré suspense à la fin du tome 2. Je ronge mon frein en attendant la suite, et on n'a même pas de date, hein, mais... Mais c'est quand même moins horrible qu'à la fin du tome 1.
Bon d'accord, c'est pas vraiment un défaut d'avoir trop envie de connaître la suite d'une série. D'accord. Bref, je crois que c'est foutu, j'arriverai pas à trouver de points négatifs pour cette BD. Donc il me reste plus qu'à vous la recommander. Surtout si vous avez aimé, du coup. Jules Verne, Wagner, oui bon d'accord c'est pas un livre, mais Wagner quand même, et La Légende du Roi Arthur. Et pour La Légende du Roi Arthur, si, je vous jure, c'est un lien, mais c'est un petit peu du spoil, donc je vous le dis pas. Voilà. En attendant, bah, si vous avez déjà lu la BD, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je fais aussi un appel à tous ceux qui ont lu d'autres BD d'Alex Alice, j'aimerais bien connaître votre avis, parce que j'hésite à me lancer dans d'autres séries de l'auteur, alors j'aimerais bien savoir quelles sont les meilleures. Ça m'évitera d'acheter 10 tomes de BD, parce que ça coûte un petit peu cher au bout d'un moment. En attendant, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et vous dire à la prochaine fois. Bye bye !